Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous raconter un conte. Il était une fois un palais. Un palais riche et splendide qui se dressait sur les hauteurs d'une colline près du centre de la ville de Bruxelles. Il fut habité au cours du temps par des comtes, des ducs, des princes, des rois et même par un empereur. Il était connu et admiré dans le monde entier et les Bruxellois, en secret car on a ses pudeurs, étaient très fiers de ce palais, témoins de la richesse et de la puissance de leurs seigneurs successifs. Hélas, une nuit d'hiver en 1731, les flammes l'ont dévoré jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques murs noircis. Puis, ces murs aussi ont disparu. Et le temps passant, le souvenir même de l'existence du palais s'effaça. Sauf pour quelques érudits, des historiens, des archéologues, des archivistes, des fouilleurs. Mais on chuchotait d'étranges choses. Que les souterrains couraient sous la place royale, ou des boyaux secrets tissés sous toute la ville, où l'on retrouvait les squelettes de quelques curieux qui se seraient égarés. Qu'il y avait là, peut-être, des trésors, et que s'y tenaient les réunions de sociétés secrètes. Comme beaucoup de Bruxellois, j'avais entendu parler de ces souterrains et en me documentant un petit peu, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout des souterrains, mais c'était le bas d'un ancien palais qui ne ressemblait d'ailleurs pas du tout à ce que nous avons maintenant, c'est-à-dire une place bien rectiligne, etc. C'est une architecture un petit peu biscornue, disparate, mais qui fait quand même rêver. Et donc en voyant ces anciens plans, il était assez facile de deviner que dans le prolongement de la chapelle, eh bien, il y avait les restants de la fameuse salle du trône de Philippe le Bon. Et avec le professeur Bonenfant, donc, je vous rappelle, fin 93, début 94, on s'est dit on va creuser à cet endroit-là. Et on a trouvé effectivement le mur. Et on commençait à creuser en tranchée vers le mur en face. On ne dérangeait pas encore trop la circulation. On me disait, tu es content de ce que tu trouves, Michel? Oui, je suis très content. Quand est-ce que tu refermes ton trou? Puis près de deux ou trois fois, j'ai dit, mais bon, on va peut-être refermer, mais le roi et la reine viennent visiter le site parce qu'ils sont intéressés. Ils succèdent quand même à ces dynasties, c'est l'ancêtre de leur propre palais. Et ils sont venus et on ne m'a plus demandé d'arrêter mes travaux. Et dans la foulée, l'État s'est intéressé à aider à poser la dalle, etc. Mais où se situe-t-il ce palais dans le tissu urbain actuel? Au sommet du Coudenberg, c'est-à-dire grosso modo entre la place royale, le palais royal, le parc royal et l'arrière du palais des Beaux-Arts. Voici une vue de la place royale prise depuis le sud, c'est-à-dire depuis l'hôtel Gresham. Et voici, sous le même angle, l'image virtuelle de l'ancien palais. Notre animation ne rend pas les couleurs de l'époque, mais les proportions et l'architecture sont fidèles. La salle du trône, ou Aula Magna, vue de l'est du toit de l'actuelle église Saint-Jacques. Toujours du même toit, une vue plongeante vers la Grand Place. Et si on regarde vers le goulet de la rue Royale, on aperçoit le corps de logis du palais. Depuis l'actuel parc de Bruxelles, une vue de l'arrière du palais. Celle-ci, du haut du toit de l'actuel palais des Académies. Revenons au début de notre histoire, il y a à peu près 1000 ans. Ce qui deviendra Bruxelles n'est encore, sur l'île Saint-Géry, au milieu des marais, qu'un castrum, destiné à se défendre des visées de la Flandre et de la France. C'est un fortin insalubre et, au début du XIe siècle, stratégiquement tout à fait démodé. En outre, l'agglomération s'agrandit. C'est le seigneur du lieu qui décide de faire construire un nouveau château sur les hauteurs du Coudenberg, tout près du sanctuaire de Saint-Michel. C'était un comte de Louvain. Sa lignée donnera plus tard les ducs de Brabant, dont la cour ira s'établir au château du Coudenberg. Ils étaient en fait comtes de Louvain et de Bruxelles. Et donc, leur patronyme reflète avant tout cette appartenance à Louvain. Et à l'époque, c'est Louvain qui est la ville la plus importante du pays, ce qui va changer assez rapidement. Il va y avoir une période d'égalité et de rivalité entre Louvain et Bruxelles, et Louvain finira par être fatalement éclipsé par Bruxelles.
Ça semble commencer déjà au début du XIIIe siècle, mais ça se précise sous le célèbre duc Jean Ier, celui qu'on a appelé Jean Ier le Victorieux, parce que, probablement pour des raisons qui sont dues à son enfance, où il s'est senti à un moment donné menacé à Louvain, et aussi parce que, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs et ses successeurs, il adorait la chasse et il la pratiquait beaucoup, qu'il n'avait plus à ce moment-là de terrain de chasse en sa possession personnelle autour de Louvain, et que par contre il y avait la merveilleuse forêt de Soignes, qui à l'époque se trouvait beaucoup plus proche de Bruxelles qu'elle ne l'est maintenant. Mais le château devait se présenter sous une forme assez classique, probablement un quadrilatère dont on peut supposer qu'il était fermé, une cour intérieure, une aile d'habitation, et probablement à angle droit avec cette partie-là, déjà une chapelle, des salles d'apparat, et alors de l'autre côté une aile d'entrée, et enfin pour clore le tout, des communs. Trois siècles plus tard, par le jeu des héritages, Bruxelles et son palais appartiennent à la maison des Valois qui règne sur la France, mais appartiennent plus particulièrement à la branche des ducs de Bourgogne. En 1430, Philippe le Bon arrive à Bruxelles. Il décide aussitôt d'agrandir et d'embellir le palais. En 1435, il y installe la bibliothèque ducale. L'année suivante, de nouveau bains et tuves. Mais il manque encore une grande salle d'apparat à la mesure du prestige et du faste de la cour de Bourgogne. Au Moyen-Âge, Bruxelles est une grande ville. C'est une ville puissante et riche. Et étant riche, elle peut notamment prêter de l'argent au souverain, ce qui naturellement ne manque pas de l'intéresser. D'autre part, il est intéressant pour la ville d'avoir à proximité le souverain, les institutions qui l'entourent, parce que l'administration commence à se structurer. Donc tout ça fait finalement un énorme appareil de, je ne dirais pas de fonctionnaires, parce que ce n'est pas un terme qui peut être utilisé à l'époque, mais enfin, ça fait toute une série de serviteurs du prince et de serviteurs de l'État qui peuvent se grouper et vivre à Bruxelles. Et naturellement, ça amène commerce, activité, un peu de la manière dont nous pensons à l'heure actuelle à l'Europe. Le duc pose ses conditions et exige des contributions importantes si la ville veut qu'il choisisse sa résidence sur place. Et ça sera le cas notamment pour la construction de la Aula Magna, donc du bâtiment de la salle d'apparat, donc le site que l'on fouille à l'heure actuelle, où la ville sera forcée de faire une contribution très importante, et elle va d'ailleurs se faire prier pendant assez longtemps avant d'accepter de le faire, parce que c'était vraiment onéreux. En 1452, commence la construction de l'Aula Magna, formant l'aile ouest du palais sur l'actuelle place royale. Mais revenons au vendredi 14 juin 1996, au moment où l'archéologue Pierre-Paul Bonenfant, initiateur et responsable de tous ces travaux, arrive sur le chantier de fouilles. Vous voyez ce long mur de 2,20 m d'épaisseur, c'est le mur extérieur de l'Aula Magna de Philippe le Bon, construite entre 1452 et 1460 pour le gros œuvre. Donc un mur d'une quarantaine de mètres allant jusqu'au bâtiment du fond, là, 2,20 m de large, et 16 mètres de ce côté, nous avons l'autre mur. Donc c'est un grand rectangle de 16 mètres sur 40 qui est ainsi largement dégagé par la fouille. Pas encore complètement, mais nous avons tout de même ici les trois quarts de l'espace interne qui se trouve mis au jour.
Alors nous sommes ici dans le niveau inférieur des salles qui supportaient l'Aula Magna, et le niveau de circulation de la grande salle d'apparat se trouvait à la hauteur du sommet des barrières Heras que vous avez là. Cet escalier permettait d'accéder à la cour d'honneur du palais, cour privée qui occupait pratiquement une moitié de la place royale actuelle. Donc on voit ici les marches bien conservées, mais qui comportent incontestablement des traces de réparation. Les dalles de pierre bleue ne sont pas d'origine, elles ont été replacées là parce que les dalles blanches avaient été usées. Cette fouille archéologique en plein centre-ville a vite suscité la curiosité des citadins et celle des touristes. Elle est devenue une attraction en soi. On exécutait les travaux le plus soigneusement possible et des panneaux explicatifs en plusieurs langues étaient placés ici et là. Ce dessin de l'Aula Magna par l'architecte Sainte-Noix date de 1930. Depuis le XVIe siècle, elle a bien souvent été représentée dans des images assez semblables, mais qui diffèrent cependant toutes dans les détails. Pour l'intérieur de la salle, on ne possède actuellement que deux ou trois documents et les livres de comptes de la construction conservés aux archives de la ville. Ce qu'on sait, c'est que, et ça s'explique évidemment par ses dimensions qui étaient très très grandes, on a dû faire venir des poutres de chêne d'une longueur tout à fait inhabituelle. Alors, à part ça, les décors ont évidemment changé au cours des temps. Ce qu'on sait, c'est que très rapidement, et sans doute déjà dès sa construction, les murs ont été décorés de tapisseries. Comme les ducs possédaient une grande collection de tapisseries, on variait évidemment le décor. Et de saison en saison ou de circonstance en circonstance, les tapisseries se renouvelaient. Il y avait là également, c'était ce que j'appellerais une salle à multi-usage, puisqu'elle pouvait servir de salle d'audience, comme elle servait également de salle de bal, de salle de banquet, de sorte que quand c'était une salle d'audience, il y avait évidemment un trône surélevé par quelques marches, des tapis armoriés, etc. À côté de l'Aula Magna, le corps de logis du palais est une vraie petite ville. La cour, à l'époque de Philippe le Bon, par exemple, c'est vraiment un microcosme qui s'agite, qui fourmille. Les activités sont tout à fait diverses. Il y a des masses de gens, des masses de fonctions auxquelles on ne songerait pas à l'heure actuelle. Là, parce qu'il y a non seulement les personnes qui sont en charge de l'administration et de la gestion des bâtiments, proprement dit, qui sont foules, parce qu'il y a des foules de concierges qui s'occupent des différents jardins, des différents corps de bâtiments. Mais alors, il y a également tout le personnel qui est chargé de l'approvisionnement, un approvisionnement très compliqué. Il y a les vivres qu'on achète au marché local, mais il y a aussi tout ce qu'on fait venir de l'étranger, les vins de Bourgogne, les poissons qui viennent de Hollande-Zélande, etc. Mais il y a aussi des fournitures d'une toute autre nature. Il y a les matières premières pour confectionner les vêtements. Il y a les joyaux qui sont là, les tapisseries que l'on fait venir, et toute une série de gardiens préposés à la conservation de toutes ces collections, parce que quand le souverain s'en va, eh bien très souvent, il laisse sur place une série de meubles, et certains d'eux particulièrement précieux, par exemple les tapisseries précieuses, mais aussi le trésor. Et il faut ajouter à ça que le palais n'est pas toujours un endroit de haute sécurité, puisque manifestement, il y a beaucoup de vols qui s'y commettent. On est obligé de remplacer régulièrement les serrures, ce qui fait penser qu'il devait y avoir toutes sortes de trafics qui se produisaient.
Et il y a un officier qui est chargé spécifiquement de la police du palais. Sur les fouilles, jour après jour, les traces de la vie d'antan remontent à la surface. Dans les décombres qui se sont accumulés sur les ruines, on a retrouvé aussi une série d'objets de la vie quotidienne. Et par exemple, ceci, qui est une pièce de terre cuite rectangulaire avec une glaçure verte, on y reconnaît ici une croix de Saint-André, une fleur de lys. Donc nous avons affaire ici de nouveau à des emblèmes de Philippe le Bon. Et cette pièce de terre cuite est en réalité l'élément, un des éléments ornementaux, d'un grand poêle que l'on connaît encore actuellement en Autriche, dans le sud de l'Allemagne, en Suisse. Ici, vous avez une série de grès, des cruches essentiellement, avec parfois des éléments ornementaux, comme ici, cette tête d'homme barbu, et il y avait sur le côté des éléments ornementaux encore qui complétaient cette pièce. Passons maintenant à ces verres, beaucoup plus altérés bien sûr que la céramique, très fragmentés mais bien reconnaissables je pense pour certains éléments. On voit qu'il s'agit de pieds de verres qui avaient des formes ici pour la partie du récipient en flûte. Ici, c'est davantage des coupes et on voit l'ornementation très travaillée de ces pieds. La dorure aussi qui apparaît fréquemment, ceci peut être attribué pour les principales pièces ici au début du XVIe siècle. Alors, si nous continuons le tour de table, nous rencontrons ici des choses plus tardives, des choses qui peuvent être situées au XVIIe voire au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, puisque tout s'est achevé ici vers 1731. Et c'est de la faïence. On le voit, assez abîmé d'ailleurs, dans ce cas-ci, tous ces éléments que vous voyez là doivent se rattacher à ce grand plat dont nous avons la partie principale du fond. Alors une petite coupe ici qui imite les porcelaines chinoises, c'est une imitation en faïence de porcelaine chinoise. Le temps s'écoule. Le duché de Bourgogne et les Pays-Bas passent aux Habsbourg. C'est pour l'Aula Magna et pour le palais une nouvelle période faste qui commence, puisque c'est celle de Charles de Habsbourg, héritier du trône d'Espagne par sa mère, et que ce Charles, né à Gand en 1500, n'est autre que le futur empereur Charles Quint. Le palais vit sa deuxième période de splendeur. Il atteint alors sa forme définitive. Il sera rénové, redécoré, les jardins redessinés, selon les goûts de l'empereur Charles Quint et de sa sœur, Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas. Réunies, les cours des deux souverains se trouvent un peu à l'étroit. Et Marie de Hongrie fait construire cette aile aux arcades, plus tard décorée de sculptures. C'est au cours de ce règne qu'est construite la nouvelle chapelle du palais, appelée communément chapelle Charles Quint. C'est aussi de cette époque que datent les rares documents montrant l'intérieur de l'Aula Magna. Voici la gravure représentant l'abdication de Charles Quint en 1555 en faveur de son fils Philippe. On y voit des tapisseries qui se trouvent à l'heure actuelle à l'Escorial. On a recouru très tôt chez nous à des tapisseries pour décorer les salles. C'était plus chaud, ça préservait mieux la température de la salle. Puis en outre, je crois que psychologiquement, ça devait être donner une impression de chaleur. On y a ajouté des choses au XVIe siècle. Il y avait notamment des statues, mais dont nous avons absolument tout perdu. Non, pas tout à fait. En automne 1995, l'équipe du professeur Bonenfant découvre une statue en pierre dans la partie nord-ouest du site.
découverte impressionnante, même si la statue est acéphale, c'est-à-dire dépourvue de tête. La découverte a eu lieu au mois de septembre 1995, et c'est dans ce secteur, à ce niveau, au niveau du palier de fouilles que vous avez là, à la hauteur de la niche qui se trouve là, dans un espace qui n'est pas encore, à l'heure actuelle, complètement dégagé. Elle date du milieu du XVe siècle. Son auteur nous reste inconnu jusqu'à présent. La statue que vous voyez là est la plus belle découverte que nous ayons faite en matière d'objets dans la fouille de Lola Magna. C'est une statue en pierre grandeur nature. Elle était en fait pleine d'humidité. Cette pierre très poreuse était presque gorgée d'eau. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons transportée ici. Il a fallu naturellement des moyens de levage assez importants dont nous bénéficions dans ce local, ici, des constructions civiles de l'Université de Bruxelles, parce qu'il y a un pont-grue qui permet de lever, déplacer cette pierre, je ne dis pas à volonté, mais presque. C'est en transportant ici que nous avons finalement vu ce que vous voyez, c'est-à-dire ce qui devait être vu par le spectateur à l'époque, un personnage drapé avec de grands plis pour le manteau, très caractéristique du gothique final de nos régions, une pierre blanche, tendre, c'est de la pierre d'Aven, qui a été polychromée. Et il reste encore quelques traces de polychromie, un peu de bleu, un peu de rouge aussi dans le creux des plis. Peut-être s'agit-il d'une préparation pour une dorure. Mais ceci reste évidemment à vérifier en laboratoire. Le laboratoire de l'Université libre de Bruxelles est envahi par les pierres sculptées sorties de la fouille. Hélas, la plupart ne sont que des fragments. On reconnaît cependant certains éléments, tels ces briquets de Bourgogne, emblème personnel de Philippe le Bon. Autre document exceptionnel, ces images ne provenant pas des fouilles, mais d'un manuscrit conservé à Varsovie. Il représente le mariage d'Alexandre Farnèse, petit-fils de Charles Quint, et de Marie de Portugal. Mariage qui se déroula dans la Hola Magna en 1565. Rien ne manque, le banquet est agrémenté par des musiciens, par des joutes entre chevaliers et hommes sauvages, et puis on y danse. Acquis important des fouilles, les dimensions réelles de l'Aula Magna et du palais, ce qui permet de reconstituer plus fidèlement leur architecture que les images d'époque. Du point de vue de l'architecture, il s'agit essentiellement d'architectes bruxellois et d'architectes d'origine malinoise. Les sculpteurs sont pour la plupart bruxellois, en tout cas ils sont des Pays-Bas. La même chose pour les peintres. Donc, on a en fait recouru à des artistes locaux, que ce soit au Moyen-Âge ou à la Renaissance, mais ce sont toujours des artistes de première valeur. Et par exemple, Roger van der Weyden a contribué au décor du palais. Charles Quint abdique en 1555. Son fils, Philippe II, réside essentiellement en Espagne et le palais ne subira plus de gros travaux pour l'agrandir. On se contente de l'entretenir. Le roi s'en désintéresse. D'autant plus qu'il ne comprend pas ces Pays-Bas avec lesquels il entretient des relations épouvantables. Rappelez-vous, c'est l'époque des guerres de religion, de la révolte et de la guerre des gueux, de la sécession des Pays-Bas du Nord sous l'égide de Guillaume le Taciturne. Ce sont les exécutions des comtes d'Egmont et de Horn et la répression sanglante du pays par les troupes du duc d'Albe. L'arrivée à Bruxelles des archiducs Albert et Isabelle en 1599 représente une embellie dans les malheurs du pays. Le palais retrouve lui aussi la sérénité, comme en témoigne ce bal en présence du couple. Hiver 1998-1999, au-delà du mur nord de l'Aula Magna, un mur de briques est abattu pour mieux dégager la très ancienne rue Isabelle, appelée rue Ingeland au Moyen-Âge. Au-dessus du chantier,
Depuis un bon bout de temps, cette passerelle dessert l'accès au bâtiment coupé de la place. On renforce des murs dégagés pour qu'ils puissent supporter la dalle de béton qui protégera le site bientôt. Et voici la rue Isabelle entre les murs de l'Aula Magna à droite et ceux de l'actuel musée instrumental à gauche. Cette petite rue conduisait à la collégiale Saint-Michel et Gudule. Ces pavés nous mènent au mur de l'actuel ministère de Bruxelles-Capitale. Traversons le mur. La rue continue sous le bâtiment. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, on avait couvert la rue d'arcades. C'est sur elle, comme sur les restes de l'ancien palais et d'un hôtel particulier, que le nouveau bâtiment a été élevé. En descendant la rue, à droite, la chapelle de l'ancien palais. À gauche, entre les arcades, les murs de l'hôtel Hoogstraten-Lalin. Antoine de Lalin, comte d'Hoogstraten, était une personnalité appréciée à la cour, puisqu'il servit successivement Philippe le Beau, Marguerite d'Autriche, Charles Quint et Marie de Hongrie. Son hôtel s'étendait jusqu'à l'actuelle rue Villa Hermosa. Pour dégager l'hôtel d'Hoogstraten, on a décidé d'abattre les bâtiments arrière, sans valeur historique, de l'ancienne cour des comptes du XIXe siècle. Et une fois encore, les fouilles et la démolition nous ont fourni une belle surprise. Donc nous voyons ici la partie supérieure de la galerie gothique du début du XVIe siècle. Et voilà un grand arc, le deuxième là-bas, et il y en a ainsi cinq. Mais on voit aussi qu'il y avait, pour orner l'arc, des sculptures qui se développaient, mais qui ont été ravalées au siècle dernier ou peut-être déjà avant. Et on voit d'ailleurs que cette sculpture pouvait monter relativement haut, jusque-là, pour marquer le sommet de l'arc. Et entre les arcs, un système de pinacles, ici, ornemental aussi, de même style. On est bien donc en présence d'une architecture gothique tardive, et vous apercevez aussi le chapiteau porteur, ici, et la colonne qui le supporte. Normalement, cette galerie était évidemment ouverte sous l'arc. Tout ceci est un remplissage postérieur avec d'anciennes fenêtres qui ont été aménagées. Mais il faut bien imaginer qu'en réalité, ceci était une galerie ouverte sur un jardin. Et le jardin, le voici, il est un petit peu pauvre en verdure, mais ça va revenir. En fait, tout cet espace-ci, c'était le jardin. Et au XVIIIe siècle, on a voulu constituer ici une nouvelle façade dont vous avez l'arc qui apparaît bien. Et c'est déjà pris sur le jardin. En fait, c'était un promenoir à l'époque, à la fin du gothique, un promenoir qui ouvrait sur le jardin, qui s'étendait ici, entre la rue Isabelle et la rue Villa Hermosa. La mort de l'archiduc Albert, puis de l'infante Isabelle, en 1633, clôt une époque d'espoir pour la population. Après la mort des archiducs Albert et Isabelle, l'Espagne entre dans une période de décadence et d'affaiblissement où elle entraîne les Pays-Bas du Sud. Notre pays devient un champ de bataille permanent.
Pourtant, le palais de Bruxelles n'en a pas trop souffert. Il est demeuré, à travers tout, la résidence des gouvernantes et des gouverneurs successifs qui y ont maintenu une vie de cour tout à fait décente, avec même parfois de très grandes fêtes, comme on peut le voir ici sur cette gravure, témoin des réjouissances de la cour qui ont marqué en 1686 la reprise aux Turcs ottomans de la ville de Buda en Hongrie par une coalition de pays chrétiens d'Europe centrale. Par ailleurs, on sait que la tradition des joutes chevaleresques s'était maintenue au palais. Janvier 1999. Les fouilles, comme les murs, sont protégées des intempéries, tant que faire se peut. C'est durant ces jours d'hiver que l'attention de l'équipe du professeur Bonenfant est attirée par un étrange amas de ferraille sous un escalier d'entrée. Et sous cet escalier, on a retrouvé un amas de ferraille, à première vue complètement corrodé, mais en grande quantité. Et on a scruté ça quand même avec attention et prudence. On a soumis ça ensuite à un excellent spécialiste des armes de nos régions, professeur Gaillère de Liège, qui a constaté qu'en effet, il s'agissait bien de casques. Donc ici, nous avons ce casque avec la crête du cimier et probablement la possibilité de fixer un plumet sur le sommet. Mais il est complètement écrasé. Donc ici, c'est une grande plaque, comme on peut voir, échancrée ici, mais c'est accidentel. Et ici, peut-être, on n'est pas trop loin du bord. Donc on arrive à pouvoir discerner plus ou moins un morceau de cuirasse. Alors qu'à partir d'ici, nous avons un conglomérat où se mélangent à la corrosion du fer les morceaux de gravats tombés dessus. Donc nous avons affaire ici, comme vous l'apercevez, à des casques. Ici, probablement plutôt une cuirasse. Des éléments de cuirasse également ici, là encore. Et les premières observations qui ont pu être faites sur ces armes ont montré qu'elles étaient essentiellement du XVIIe siècle. Ce sont en particulier des casques du type dit en capeline, avec notamment un couvre-nuque articulé, qui est très caractéristique du XVIIe siècle, disons même peut-être première moitié du XVIIe siècle. Ce sont des armes qui appartiennent manifestement à une même unité, car elles se ressemblent fort. Mais mêlé à ça, il y avait aussi un casque de joute plus ancien, probablement de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe, qui est une pièce exceptionnelle. Ces capelines sont relativement bien connues dans l'Europe du XVIIe siècle. On ne peut pas dire qu'il y en ait un grand nombre dans les musées, mais il y en a tout de même une bonne série. Tandis que cette pièce est apparemment une pièce presque unique, cette arme de joute. Cette armure de joute est une pièce tout à fait remarquable. Elle va venir. Oui, je vais chercher un panier. Outre des joutes, la cour était avide de divertissements. Sur l'actuelle place royale, qu'on appelait alors la place des Bailles, voici sur des tréteaux un théâtre en plein spectacle. «
on prenait aussi grand soin de l'aménagement des jardins et du parc à gibier. Voici la plaine des Jeux et celle des Joutes. Un verger. Des vignes et d'autres vergers. Le jardin aux fleurs et un vivier. Le labyrinthe aux fontaines. Le parc à gibier ou la Warande. Début 1999, on entreprend aussi des fouilles sous le goulet de la rue Royale, dans les souterrains, entre la place Royale et la place des Palais. Alors nous nous trouvons ici sous la rue Royale en réalité, ces voûtes supportent la rue Royale avec tout son trafic de trams, de bus. Nous ne l'entendons pas, ou à peine. Et nous avons en fait un passage qui nous conduit des vestiges de l'ancienne chapelle de Charles Quint jusqu'à l'actuel hôtel Bellevue où se retrouve le musée de la dynastie. La possibilité donc d'avoir par ce passage la succession des dynasties sur ce lieu de pouvoir qu'est le Codenberg, la dynastie des Saxe-Cobourg, ensuite la dynastie des Habsbourg, et puis de la chapelle de Charles Quint, nous pourrons aller jusqu'à l'Aula Magna, et ça, ce sont les Valois. Donc on a une succession significative ici du point de vue historique. Alors le lieu lui-même, il fait encore l'objet de recherches, certainement. Nous sommes dans la partie la plus ancienne. On a construit ensuite, à ma gauche, une série de salles, plus exactement, qui sont des voûtes, qui comportent des voûtes du XVIIIe siècle, mais qui sont probablement plus anciennes à la base, et ceci est encore plus ancien. Donc ça pourrait être parfaitement de la fin du Moyen Âge, peut-être même un peu plus tôt, mais c'est à l'étude. Mai 1999, les fouilles de l'Aula Magna sont déjà protégées par la dalle de béton et toute la place royale se réaménage. Toute la place sera bientôt couverte de pavés, comme auparavant. Les arcades gothiques de l'hôtel d'Hoogstraten commencent à être dégagées. L'ancien jardin, provisoirement couvert, est aménagé en un espace d'exposition. Début août 1999. L'équipe des archéologues nous signale qu'une trouvaille intéressante a eu lieu, en surface, au goulet de la rue Royale. Les vestiges que nous voyons ici se situent précisément dans l'ancien corps de logis du palais ducal. Vous voyez ici deux niveaux de sol successifs, celui-ci constituant une recharge, et à ma main droite, ici, une cavité qui n'est autre qu'un couloir d'accès muni d'un escalier qui descendait vers une cave que nous avons d'ores et déjà dégagée, cave qui se situe sous la rue. Donc, notre but est donc d'ouvrir cette pièce, dégager complètement cette pièce et de la relier à l'escalier, rendant ainsi l'accès aux visiteurs à cet endroit. Notre surprise a été de,
de découvrir dans l'angle de ce couloir, à la partie supérieure, une console sculptée, ornée d'un visage humain, visage bordé d'un bras tendu et d'une main ouverte. Bon, c'est une sculpture qui est très semblable à celles qui sont connues à l'hôtel de ville. Voici sur cette gravure l'endroit de la découverte. On est à côté du parc, à peu près au milieu du palais. Décembre 1999. Sous la dalle de béton, la rue Isabelle et les sous-sols de l'Ola Magna ont été nettoyés. Certaines parties ont été laissées cependant telles qu'elles étaient après l'incendie fatidique de 1731 pour en conserver des traces visibles. Ce dallage de pierre effondrée appartenait au niveau supérieur, soit 6 à 7 mètres plus haut. Ce qui correspondait en réalité au niveau de circulation de la grande salle d'apparat proprement dite. Et c'est donc à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les voûtes qui soutenaient ce sol ont été démolies, que le sol a subi une chute vertigineuse et violente. Ce qui fait que partout ailleurs, il a été complètement démantelé, complètement éparpillé, et ce n'est qu'ici, sur quelques mètres carrés, qu'il subsiste encore en connexion. Ceci nous permet de confronter la réalité des faits aux documents iconographiques anciens, ce qui est très précieux. En 1714, les Pays-Bas passent de l'Espagne à l'Autriche, et plus précisément des Habsbourg d'Espagne aux Habsbourg d'Autriche. Le palais, lui, ne change pas de fonction. Il reste la demeure et la résidence des gouvernantes et des gouverneurs. Il retrouve quand même un petit peu de son lustre d'antan avec l'installation de l'archiduchesse Marie-Élisabeth. Elle le fait complètement rafraîchir et en restaure certaines parties. Les fêtes recommencent, bien dans la tradition du palais bruxellois, et ça aurait dû être le cas au soir du lundi 5 février 1731, quand, dans la nuit du 4... C'est le drame. C'est l'incendie qui se déclare dans l'aile est du palais, donc dans cette direction, en arrière de l'actuelle cour d'arbitrage, et l'incendie prend dans les cuisines. Et il se propage rapidement à travers le corps de logis, et atteint finalement l'Ola Magna, dont la charpente brûle. Les murs restent debout, mais la charpente brûle, et cette charpente, nous la retrouvons ici, la voici, réduite à l'état de cendre, de charbon de bois plus exactement. Elle est là. Juste en dessous, nous avons les pierres bleues du pavement de l'Ola Magna, de l'époque de Charles Quint. Donc, toute la hauteur de la salle se trouve réduite à rien ici. Et en dessous de ce pavement de pierre bleue, nous avons une couche de sable que vous voyez là, qui est la couche de sable de réglage de la pose du pavement. Et dessous, les briques qui appartiennent à la voûte qui supportait ce pavement. Et ici, l'emplacement d'une clé de voûte en pierre qui a été prélevée déjà. On a dit qu'il était né dans les cuisines, ce qui est fort vraisemblable, et qui s'était répandu ensuite. On a dit aussi que c'était une lectrice de Marie-Élisabeth qui s'était endormie en laissant sa bougie allumée. Tout ça appartient au domaine du possible. Enfin, un des problèmes, c'est que Marie-Élisabeth, ça s'est passé pendant la nuit, Marie-Élisabeth dormait. Comme l'étiquette de la cour était extrêmement sévère, l'officier qui veillait à sa porte n'a pas voulu la réveiller, n'a pas osé la réveiller. Le temps qu'il en obtienne l'autorisation de ses supérieurs, le feu s'était bien entendu répandu. De sorte que, d'après la tradition, finalement, l'officier en question a été obligé d'emporter Marie-Élisabeth en chemise de nuit dans ses bras pour la sauver de l'incendie, tandis qu'en hâte, on évacuait le mobilier. Mais le palais, malheureusement, a brûlé complètement.
Une des raisons pour lesquelles ça a été si grave, c'est que non seulement l'extinction des incendies à l'époque est un problème difficile à résoudre, on dispose de chariots avec des lances, mais enfin c'est un système tout de même très artisanal. Il faut faire la ronde avec, faire la chaîne plutôt avec des seaux. Mais le gros problème, c'est qu'on était en février, il gelait, par conséquent l'eau était gelée. D'où évidemment les ravages absolument impossibles à maîtriser de l'incendie. Et après l'incendie, les ruines sont donc restées en place pendant quelques 50 ans, parce qu'on ne savait en fait pas très bien quoi faire. Il n'était plus question de reconstruire, c'était démodé comme style. Les habitants des environs sont venus de temps en temps se servir, prélever des sculptures, prélever des matériaux de construction. Et finalement, la ville de Bruxelles et le gouvernement de Charles de Lorraine ont décidé de régler le problème. On a rasé les ruines, on a nivelé. Alors il avait été fort question de faire en cet endroit une grande plaine de manœuvres. Finalement, c'est un autre projet qu'il a emporté. C'est un projet de place en style néoclassique, de style donc tout à fait rectiligne, qui sera la place royale. C'est le projet qui sera donc adopté à l'époque. Fin mars 2000, notre dernier tournage à la place royale, sous la dalle qui recouvre l'Aula Magna. On entoure d'un ruban de cuivre les zones où les pavés anciens se trouvent conservés en place. Dans les intervalles, la rue Isabelle sera entièrement repavée. Après qu'ont été abattus quelques murs, les différents lieux historiques sont reliés entre eux par des passages souterrains. Dans le courant de cette année 2000, on va pouvoir ouvrir une première partie de ce qui sera un musée, non pas des anciens souterrains dont on parlait, mais vraiment un musée d'une ville sur laquelle une autre ville s'est reconstruite. Donc on est dans une rue, eh bien, de part et d'autre de cette rue, il y avait d'un côté un palais qui se prolonge même sous la rue Royale pour rentrer dans le musée Bellevue, et qui de l'autre côté, eh bien, il y avait le voisin d'en face, l'hôtel de l'Alain, qui sera également visitable jusqu'à la rue Villahermosa. Une ouverture plus définitive et plus complète se fera dans 4 ou 5 ans avec encore d'autres extensions, et je ne désespère pas du tout de pouvoir rentrer dans le Palais des Beaux-Arts qui est derrière nous, pour qu'il y ait justement cette connexion entre différentes institutions muséales. Plus encore que sa portée historique, ce palais retrouvé, ressuscité, nous a restitué notre passé, un passé férique, comme dans les contes de notre enfance, où, en franchissant quelques mètres sous terre, nous pouvons nous perdre dans nos rêves.